Ma chérie, prends la chaise et assieds-toi, on va commencer. Ah, hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mes perfect ladies, j'espère que la famille ça va bien, que les enfants, les tantes, les tantines, tout le monde ça va chez vous. Alors moi, je me porte super bien. Par la grâce de Dieu, si vous êtes de passage sur ma chaîne YouTube, donc moi c'est Malaika, hein, comme vous pouvez voir, la reine du roi. Donc je vous invite tout simplement à sonner sur la cloche afin de pouvoir vous abonner et de ne pas rater tout ce que nous faisons. Donc les astuces beauté, cheveux, etc. On parle de tout et de rien ici. Ici, c'est la chaîne des reines des rois parce qu'on dit bien que sans reine, il n'y a pas de roi et sans roi, il n'y a pas de reine. Donc prenez place, asseyez-vous parce que ce que je vous emmène aujourd'hui là, mes chéris, fini la chirurgie esthétique. Fini, fini, fini. Alors moi, j'ai commencé à chercher parce que en tant que femme, j'ai mis au monde. Donc avant de mettre au monde, j'avais une super belle poitrine au point où les gens me posaient souvent la question, mais Malaika, est-ce que tu as eu recours à la chirurgie esthétique? Je disais souvent, mais non. Mais après l'accouchement, les amis, on connaît comment ça se passe. Les seins commencent à devenir babouches. Donc voilà, j'ai eu aussi ce complexe-là. Après l'accouchement, j'arrivais plus du tout à m'assumer en tant que femme, c'est-à-dire de mettre des décolletés. J'ai eu des pensées à avoir recours à la chirurgie esthétique, mais j'avais tellement peur parce que je suis une grosse peureuse, les amis. Je vous assure, je suis une grosse peureuse. Je me disais, oui, si je vais faire la chirurgie, je vais aller sur un brancard, je suis pas malade, et si, et ça, j'ai commencé à mettre toutes les idées là dans ma tête. Je me suis dit, non. Je vais chercher le produit miracle. Donc, j'ai trouvé le produit miracle et aujourd'hui, je vais partager ça avec vous. Donc, là, les amis, je m'adresse aux femmes, aux perfect ladies, aux reines qui veulent devenir des gobo balaba. Donc, si tu as envie d'avoir une belle poitrine bien raffermie, si tu veux que ta poitrine ait le goût monde, c'est pas seulement pour la poitrine. Moi, c'est parce que c'était ce complexe-là. J'avais ce complexe-là de la poitrine. Donc, toi, si tu as le complexe des fesses, tu peux également utiliser ce produit pour ton fessier. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter les produits. Donc, il s'agit ici du beurre de karité. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le naturel, hein, le pur. Il faut vraiment faire attention, mes perfect ladies. Lorsque vous allez acheter le beurre de karité, vérifiez bien, sentez bien si c'est vraiment le pur, hein, vous sentez, vous touchez. C'est quand tu sens que là, c'est bon pour toi, tu le prends. Donc, il s'agit du beurre de karité, mais le produit miracle, les amis, le produit miracle de ça. Il s'agit ici de l'agpi, donc des graines d'agpi. Vous pouvez voir la texture, donc ça ressemble à ça. Ce sont des petites graines que nos sœurs camerounaises appellent le jangsang. Donc, si vous n'avez jamais vu le jangsang ou vous ne connaissez pas le jangsang, c'est ça le jangsang. Donc, les graines d'agpi que vous pouvez trouver un petit peu partout, château d'eau, château rouge. Moi, je vous conseille de ne pas acheter sur internet parce que faut vraiment toucher, faut vraiment voir que c'est frais, c'est voilà quoi. Hein? Tu sens que hein? Voilà. Donc, c'est ça. Sans plus tarder, mes perfect lady, on va passer à la préparation. C'est parti. Voilà mes perfect bobalaba. Donc pour la préparation, on aura besoin tout simplement d'une poêle pour pouvoir griller nos graines et d'un mixeur par la suite. Donc après avoir grillé notre jangsang, hein, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà. Donc après avoir grillé notre jangsang, on va tout simplement mettre dans le mixeur. De toute façon, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc le pot ici va nous permettre de pouvoir ranger notre produit après la préparation. Mais go boba là-bas, mes chéris, il faut vraiment prendre un pot super propre parce qu'on va frotter ça sur nos parties intimes. Voilà mes chéris, donc j'ai terminé de mixer mes graines d'agpi. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment mixé à ce que ça devienne une pâte. Et vous pouvez voir à côté, j'ai également chauffé mon beurre de karité. Donc je vais tout simplement prendre et mélanger comme ça. Vous pouvez le voir, mes bobalaba lady, la crème elle est prête. Donc vous allez tout simplement appliquer sur vos seins et sur vos fesses. Donc vraiment masser pour la poitrine, aller du bas vers le haut. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de le faire
avant de se coucher. Donc, lorsque vous avez pris bien votre douche, mes chéris, vous prenez ça, vous appliquez. Et n'oubliez surtout pas de mettre votre soutien pour dormir. C'est vrai que c'est vraiment désagréable. Mais lorsqu'on a envie d'être belle, lorsqu'on a envie de s'assumer en tant que femme comme moi, porter des décolletés, mes chéris, il n'y a plus ça dedans, hein? Donc voilà, mes perfect ladies, j'en ai terminé pour cette vidéo. Alors n'hésitez surtout pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai besoin de savoir si on avance ensemble ou pas. Bah sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye les gobo balaba.